je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On est mardi et on se donne rendez-vous pour une nouvelle séance de sport. Et aujourd'hui, ça va être un peu particulier parce que je suis très très content d'accueillir Johan Biré qui est athlète de haut niveau handisport au SCHA, donc au club d'Hérouville. Il va se présenter. Aujourd'hui, il va venir représenter le club handisport de Hérouville et voilà la structure qui est mise en place depuis plusieurs années et qu'il cherche à développer. Johan, je te laisse te présenter. Donc bonjour tout le monde, donc moi c'est Johan Biré. Donc comme a dit Dorian, je fais du handisport, je suis multimédaillé handisport. Je suis également ambassadeur du sport et du handicap sur la Normandie. Je suis médaillé jeunesse et sport et donc je suis, comme tu l'as dit, licencié au Sporting Club Hérouville Athlétique, section handisport. Et notre but c'est de permettre aussi aux personnes handicapées et en situation de handicap de pratiquer le sport, que ce soit en loisir ou en compétition. Voilà, parfait. Donc effectivement, on est du même club puisque je suis aussi licencié à Hérouville. Je suis un peu chauvin en disant qu'il a choisi le meilleur club de la région pour développer le handisport, mais c'est très bien parce que Hérouville insiste vraiment là-dessus et cherche à développer le handisport. Donc c'est parfait. Donc aujourd'hui, une séance adaptée pour Johan, mais qui est vraiment possible pour tous. Ça va être un renforcement musculaire, principalement centre du corps. Donc il y aura quand même juste un peu de squat et de chest pour brûler les cuisses. Mais on va vraiment insister sur le gainage et les abdos. Donc toute la partie centrale du corps, c'est la base. Mais voilà, on va travailler tous ensemble. On a 8 exercices à faire. On fait 40 secondes sur chaque exercice. On les enchaîne et on prend 1 minute 30 de récup entre chaque série. C'est bon pour toi ? C'est parti. Ok, donc on va commencer tranquillement par faire 40 secondes de squat. Donc les squats, je vous rappelle, pied large en bassin, les talons bien dans le sol, le menton relevé et on va descendre tranquillement. Si vous voulez nous aider sur le mur, il n'y a aucun problème. Moi, je lance le chrono pour le départ. C'est bon pour toi, Johan. Allez, 2, 1, et c'est parti. Allez, on passe sur 40 secondes de squat. Donc voilà, on a de la chance parce que Johan, sachant que c'est un sportif de haut niveau, il est déjà très très bien placé. D'accord, c'est pas about the destination. It's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather. The dangling carrot that hang from the rear view. Your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but 2 cents. Shotgun riders too biased, they all liars. I should get an A for effort, I'm too tired. But I'm never giving up, that's why I'm kinda admired. Role model, like it or not, I gotta play it. Sugarcoat the rhyme sometimes, but still say it. Said I was quitting at 40, it's just a fib. I'm still a kid that's wiping the food off of my bib. You ever wanted something so bad that you could taste it? Cried over every opportunity wasted. Good and bad news, which one you want first? Either way you pick the bad, still gonna hurt you the worst. I never got to bask in the fruits of the labor. And I never got the cash from that dude from the label. I'm just thinking back. Bien vers le sol pour pas qu'il y ait de tension. In retrospect, I would have did it the same. In hindsight, I'm the only one to blame. I ain't picky, I'm just real specific. I want nothing less than terrific. I know y'all get it. I'm aggressive, so my style is clashing. Killer instinct, and I play with passion. I'd rather be hated for being one of the realest than get a lot of love for these overrated appearances. I can stand on skill alone, but I'm a package deal. I can write the whole song and rap for real. I got my head in the cloud with a pun intended. I don't need to see nobody, I don't want no visits. Introverted, I just flirt with the music. Small circle, how I choose it. Stay away from squares, they the one that look like an L7. I've been doing this since I was 11. And the shit gets real. Voilà, c'est bien une session. Pour écouter, on ira au prochain épisode. Et voilà, pandemonium when I'm in the building. Grown man
your flow. I ain't got time for the children. Now you can prove me, jump off, I'm winning. I spent laying out, shout out to the women. Wash you was cool, they was acting wild. Walking, lit drunk, it was packed for hours. Belligerent students, man, the shit got messy. Remind me of my first show I did at the Red Sea. I ain't had no DJ, just to take that. Opened up with the star child, I love that. Met this cat named Larry, he was with the Avengers. Show me how to make moves and walk with the winners. Soon went to the pen and never seen him again. But I did a couple shows with his friends. Lumberjack, brown clown, so and so, and do with the orange pants. 10 years later, now I'm rocking the orange pants. But they jabos though, you know, fresh to death, always and forever. Don't get it twisted, number one listed, Nitro, with the nice flow, you know, get in. Take a picture, baby, it'll last longer, all in your mouth, yeah, in retrospect, just thinking back. Donc là maintenant, on va passer sur le ventre. Sur le ventre, pour travailler lombaire, on va faire super mal. Super héros. Regardez, Yoann, super héros. Il va vous montrer. Voilà, exactement. Donc, on serre bien les fesses. Il faut serrer les fesses sur cet exercice-là, d'accord? Et vous allez chercher les bras devant. Si c'est un petit peu trop dur, vous vous rabaissez et vous remontez tranquillement. Là, ces fesses sont très bien serrées. Les bras levés. Le regard bien par contre au sol. Laisse ta tête, voilà, pour pas qu'il y ait de tension au niveau de ta nuque. C'est nickel. Moi, c'est facile pour moi aujourd'hui parce que j'ai un très bon élève. Hein. Donc, vous voyez, comme quoi, malgré le handicap, on peut réussir à tout. Yoann a une très très belle histoire. Si un jour vous le rencontrez, il aura l'occasion de vous la raconter. Mais en tout cas, c'est beau de pouvoir être aussi bien passé, faire autant de sport. Donc vous voyez, comme quoi, quand on veut, on peut. Allez, encore 5 secondes. 2, 1, repos. Parfait. On va passer du coup sur le gainage à droite. Voilà. Prends ton temps pour changer de place. C'est top. Voilà, gainage à droite. Donc, là c'est la même chose. Voilà, est-ce que tu peux plier cette jambe-là un petit peu? Sinon tu t'allonges et tu laisses un petit peu l'autre jambe. Comme tu veux. Et là, est-ce que tu y arrives? Là c'est bien, là tu y arrives ou pas? Ok, donc vous voyez en fait, Yoann il a une jambe qui est derrière, c'est parti pour tout le monde qui est là d'abord. Il a une jambe qui est plus forte que l'autre, donc du coup sur un côté c'est plus facile de tirer. Mais on peut adapter sur ce côté là, par contre faire attention à ça. Allez. Et à partir du moment où il sent la pression sur sa jambe, en fait, normalement tout le côté travaille, donc ça va. Allez, encore 6 secondes. C'est bon. Ok, nickel. Tu te mets sur le dos. Et là, on va venir travailler, encore une fois, les ischios, l'arrière du corps pour un relevé de bassin. Donc, les yeux pliés, parfait. Et voilà. Et là, on va venir faire ça pendant 40 secondes. Flexion. On redescend. On remonte. Parfait. Boum, nickel. Quand on remonte, on serre bien les fesses, on serre bien les abdos. Là, c'est nickel. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des routines que vous devez mettre en place. Chaque semaine, dès que vous ne savez pas quoi faire, vous faites des exercices que vous êtes en train de faire là, vous avez vu, rester au sol. Et c'est très, très complet. Ça travaille les abdos, ça travaille les lombaires. Vraiment, ça travaille vraiment tout et c'est vraiment génial. Inspire et on expire surtout à la montée. Allez, 3 secondes. Parfait, c'est tout bon. Ok, nickel. On se remet debout, ça va? Vous voyez, ça force le respect quand même. Et là, on va finir par 40 secondes de chaise pour se faire un petit peu mal aux cuisses. Vous y connaissez déjà tous les exercices. Parfait, donc la chaise, je regarde le chrono en même temps, c'est parti chez vous. Donc la chaise, je vous rappelle, vos genoux doivent être à 90 degrés. On relève bien le menton.
Voilà, si c'est un peu dur, on relève un petit peu. C'est pas grave, 90 degrés, c'est vraiment l'angle idéal. Là, après, s'il veut faire de la musique et tout, il se fait chier en fait, du coup. C'est un peu trop facile. Mais voilà, ça va quand même bien travailler les cuisses. On souffle bien. Et on aura fini notre premier tour. Voilà, ça a commencé à bien bien nous échauffer. Allez, encore 4 secondes. Repos. Parfait. Voilà, on se détend, on a fini le premier tour. Easy. Ça va, facile. Voilà, facile. Facile, mais efficace. Parce que voilà, encore une fois, je vous rappelle, tout ce qui est les abdos, le gainage, c'est super important pour derrière, quand vous allez aller courir, faire du sport, vous en avez besoin, même pour porter vos courses ou quoi que ce soit, pour ne pas vous faire mal au dos, il faut faire un bon renforcement musculaire du centre du corps. Alors, je me permets d'intervenir, c'est que, enfin, de mon expérience personnelle, c'est que alors, c'est très bien et c'est indispensable de faire ça. Il y a aussi un élément qui est très important à prendre en compte et à faire, c'est l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire. C'est tout est cumulé. Si on a une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, une pratique sportive, loisir ou compète régulière, on est en bonne santé. Exactement, c'est la clé de la réussite. Comme vous voyez, on est à Prestawen aujourd'hui dans la petite tribune. Là, on a une vue sur le stade. On a le gros soleil, c'est parfait. Nous, on va repartir du coup dans 15 secondes pour 40 secondes de squat. Ok, donc, je vous rappelle les squats. La jambe bassin, les fesses bien en arrière, le menton relevé, vous descendez, boum, et chacun sourit, ok? C'est bon, croyons? Allez, go! 40 secondes! Voilà. On inspire, on expire à la montée. Et même quand on fait des squats, en fait, nos abdos, ils sont contractés. Parfait, ça. Allez, 5 secondes. 2. 1. Repos. On passe sur le gainage au sol. Donc j'ai fait exprès aujourd'hui de faire un exercice debout après tous les exercices au sol et d'enchaîner avec un exercice debout pour éviter justement de forcément toujours se relever, redescendre, se relever, redescendre. Quand tu veux pour le gainage, c'est parti, 40 secondes. Nickel, allez. Allez, bien les abdos, sur les fesses, on monte un petit peu, parfait. Si chez vous, à un moment donné, ça devient difficile, vous avez pris l'option difficile, comme Johan, de faire ça sur les pointes de pied, il faut vraiment, vraiment pas hésiter à vous mettre un petit peu sur les genoux, d'accord, et à le faire en entier sans vous faire mal. D'accord? Cherchez pas à essayer toujours de faire la notion difficile. Si c'est trop difficile pour vous, vous y arriverez la prochaine fois, il n'y a aucun problème. Quand vous avez une bonne idée, ça ne dérange pas. Allez. Repos. Parfait. Sur le dos, on va bien travailler les obliques. Allez, nickel. Ouf. Allez, on va chercher les talons. 40 secondes, top. Allez, chacun son rythme. Donc Johan qui est quand même spécialiste des lancers, hein, on n'a pas précisé. Mais bon, je pense que ça se voit. Il est tanké, hein, Pépère, là. Hein. Et qui a fait aussi un peu d'haltérophilie, donc tant qu'à faire. Ils sont heureux. Allez, allez. En 10 secondes. Hein, c'est bon. Allez, gainage à gauche. Donc on a 8 exercices, je vous rappelle. 8 exercices. Et on va faire 3 tours, minimum. Allez, quand tu veux, c'est parti. Allez. Bien.
coup, j'ai le bon rôle là. C'est nickel. C'est pas toi qui dis courage parce que je sais que ça va aller pour toi, c'est à eux. Repos. Allez, on se met sur le ventre, on va venir travailler les lombaires avec Superman. Voilà, le super-héros du moment. Aujourd'hui, le super-héros, c'est Johan. Quand tu veux, c'est parti. Parfait. Donc là, vous voyez, il a bien relevé le bassin en fait, les pieds sont au sol. Et voilà, ça permet de vraiment contracter ses lombaires. Il a les abdos contractés au sol pour pouvoir remonter un petit peu le buste. Et du coup, ça travaille et les abdos et les lombaires. Le regard bien vers le sol pour pas qu'il y ait de tension entre votre nuque et votre colonne vertébrale. On pense à bien respirer. Allez, 15 secondes. Repos. Parfait. On passe sur le gainage à droite. Je vous rappelle, le gainage à droite, c'est pareil que celui à gauche. Deux options sur le genou, comme ceci ou comme cela. Après, ce que vous pouvez faire si c'est compliqué, vous vous allongez et vous relevez les deux jambes ici. D'accord, Johan, c'est exactement ce qu'il fait. Il adapte. Bah, tu vois, c'est nickel. Ah là, c'est parfait en fait. Ça, c'est nickel. Nickel, 40 secondes. Voilà, donc option qui est largement faisable et qui est très très bien pour ta tête si tu veux. Voilà, nickel. Exactement, donc là en fait, il est gainé, il serre les abdos, il serre les fesses et il relève les jambes. Et là, c'est nickel, c'est un gainage latéral qui est parfait. Allez, nickel. Vous voyez, vous pouvez pas me dire chez vous que vous ne pouvez pas y arriver. Alors que Johan, il a eu un accident grave. Et aujourd'hui, il arrive à faire des choses que la majorité des Français n'y arrivent pas parce qu'ils ne s'équipent pas. Donc avec de la volonté et du courage, on peut réussir à tout. Vraiment. C'est pas des paroles en l'air. Allez, 3 secondes. Repos. Nickel. On passe sur le relevé de bassin. Parfait. Quand tu veux. Les deux pieds bien au sol, les talons bien ancrés dans le sol. Voilà, boum, et on remonte. Voilà. On fait attention à ne pas faire une hyperextension et à ne pas se faire mal au dos. Il faut faire une belle planche à l'arrivée. On maîtrise bien son geste. Allez. Voilà, parfait. Voilà, le geste est maîtrisé. Quand il arrive en haut, vous avez vu, boum, ça fait une planche. Drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene. Nickel, on va se mettre debout et on va finir par une belle chaise en 40 secondes. C'est bon pour toi. Allez, tiens, donc tu te mets en position. Allez, on enchaîne chez nous. C'est parti, 40 secondes. Donc aujourd'hui, vous avez vu, c'est pas un hit, on fait pas de travail de cardio. D'accord ? On enchaîne tous les exercices, vu que ce sont des exercices de renforcement musculaire, on met pas de cardio aujourd'hui. Par contre, on enchaîne tous les exercices et on prend un petit peu de repos à la fin du circuit. Ça fait forcément un petit peu de travail de cardio, mais c'est pas, on monte pas en intensité. Mais bien sûr, quand il arrive, forcément, vous faites un peu de sport, ça fait quand même travailler le souffle pour respirer. Mais voilà, là c'est pas quelque chose que vous allez forcément finir en nage, en sueur comme vous le voulez plus. Par contre, on va vraiment travailler en profondeur. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser et bien faire ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, la chaise est parfaite. Ah, je pourrais m'asseoir et manger. C'est nickel. Allez, encore 10 secondes. Ça va, il faut voir, on parlait de... Et
exactement ce qu'il faut. On a un robinet à disposition, on a de la chance. Mais chez vous, allez-y. Buvez, 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 c'est important de s'hydrater pendant les sports. Demain, vous allez être fini. Peut-être même qu'il y a les abdos qui vont pousser pendant la nuit. Je pense que là, on va pas être loin de ça. Like the last breath of a sunset right before the day is done. Si t'as des messages à faire passer, s'il y a des gens qui te regardent, des enfants, je pense que c'est très très important comme une pour moi, pour ma part, c'est vital et c'est vital. Et c'est C'est pas une question de faire. Allez, c'est bien ça, ça bosse. Allez, encore 5 secondes. Ok. 2, 1, parfait. Je vais passer au sol pour le gainage. Ça roule, c'est parti. Nickel. Allez, chez vous, j'espère que vous avez bien fait de musique là et que vous vous ambiancez et que vous vous dites que vous êtes des champions. Parce que vous en êtes. Allez, c'est parti, 40 secondes de gainage. Allez. Donc je vous rappelle sur le gainage, les coudes doivent être sous les épaules. D'accord? Il y a un trait qui est tiré au niveau de vos coudes et votre regard doit être juste devant, entre vos coudes et vos mains. Et on regarde le sol. On traque les abdos, on serre les fesses. On ne va pas avoir de tension au niveau du dos. Sinon c'est que vous êtes trop bas, le dos est creusé. Donc si c'est comme ça, vous vous mettez sur les genoux, voilà. Et là, sur les genoux, vous aurez la bonne position. Allez, allez. Courage. Allez. Souffle bien. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Repos. Parfait. Lui, du coup, Yohan, il rajoute de la difficulté, il fait ça sur une jambe. Après, c'est comme vous voulez, moi je vous conseille les deux jambes, mais lui préfère sur une jambe. Allez, tape talon. Allez, c'est parti, travaillez les obliques. Pour enlever tout ce qu'il y a sur le côté, là. Bam, bam. Allez, c'est nickel. On y va, on est sur le dernier tour. 40 secondes. On regarde bien le ciel. On ne met pas de tension dans notre nuque. Nickel. Allez, c'est bien ça. Allez, allez. Encore 6 secondes. Repos. Parfait. Gainage à terre à la gauche. Nickel. Tu vas bien? Tout roule, parfait. Et en plus, il a le sourire, c'est pas magnifique ça. Allez, quand tu veux. Allez, 40 secondes. On est sur notre troisième tour. Aujourd'hui, nous, on s'arrête à 3 tours. Chez vous, si vous voulez faire 4 tours, si vous voulez faire 5 tours, vous pouvez. Plus après, ça devient compliqué parce que voilà, il y a la fatigue musculaire qui rentre en jeu. 3 tours, c'est déjà très très bien. Si vous avez fait correctement vos 3 tours, que vous avez bien contracté vos abdos sur chaque exercice et que vous avez pris votre temps, ça suffit, c'est une routine. Et vous verrez, ça ne prend pas beaucoup de temps. On aura travaillé pendant 25 minutes et en 25 minutes, ça sera déjà très très bien. Allez! Ok, repos. Parfait, on passe sur Superman. Allez, nickel, on y va. Voilà, parfait. Allez, c'est parti, 40 secondes. Si vous voulez rajouter une petite difficulté, vous pouvez.
chez vous, essayez de relever une jambe ou les deux jambes. Une jambe après l'autre ou les deux jambes. Et de faire un peu de l'autre. Voilà, bah, Johan le fait quand même, c'est super. Vous voyez là, il a juste un petit peu surélevé ses jambes et du coup ça crée une contraction encore plus importante ici. Tu peux reposer, tu peux remettre, tu peux faire les petits. Voilà, c'est nickel. Allez, allez, allez. Voilà, faut pas s'écouter. Faut y aller, faut se dire que l'on peut le faire. Allez, 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 allez. 2, 1, repos. Nickel. Je passe sur le gainage à droite. Du gauche. C'est vrai. Vous passez sur l'autre côté, bien sûr. Vous ne faites pas deux fois de l'autre côté, sinon vous allez être brocade. Allez. Voilà, donc là, il adapte sur ce côté-là. Il a un côté un peu plus tel que l'autre, du coup, handicap. Du coup, vous voyez, il adapte. Sur la première, il était sur les coudes. Et là, du coup, il relève les jambes tranquillement. Il essaye. À partir, vous n'avez pas besoin de relever si haut. Juste à partir du moment où vous sentez la contraction qui est en train de se faire au niveau de vos obliques, de votre fessier, de vos cuisses, ça suffit. Allez. Quoi qu'il arrive, il faut rester le bassin dans l'axe. Vous voyez, c'est une belle ligne là, c'est parfait. Faut pas que le bassin soit derrière et tout, sinon vous allez vous faire mal. Le bassin est bien engagé dans l'axe. Tout est droit, parfait. Allez. Allez, 5 secondes. 2, 1, parfait. On se met sur le dos. Relevez le bassin, on travaille les ischios, les fessiers, les lombaires, toute la chaîne arrière sur le relevé de bassin. Boum, boum, nickel. Allez, allez, allez. Surtout si vous avez la moindre question par rapport au handisport, etc. N'hésitez surtout pas à contacter le club des Hérouville et Johan. Ils sauront vous orienter, ils sauront vous faire travailler et vous donner les bonnes réponses. Il y a un groupe qui est constitué, donc c'est vraiment très bien. C'est bon. Repos. On se relève, on part sur la chaise. Allez, et là, vu que c'est venu, vu que c'est le dernier exercice, on part sur une minute. Allez, go, nickel. Allez, une minute de chaise. Normalement, c'est 40 secondes. Là, c'est le dernier exercice pour nous. On va brûler un petit peu les cuisses, on part sur une minute. Enfin, on part. Il va. Moi, je le regarde et je lui dis, allez, allez, courage. Vas-y, l'entête. J'ai le bon rôle, j'ai le bon rôle. Là, normalement, les cuisses commencent à doucement, on doit commencer à le sentir. Là, au bout de 3 fois 40 secondes de chaise et de squat, là, je peux vous dire que vos cuisses, ça va se lever. Voilà. Encore une fois, nous, on s'arrête sur 3 tours aujourd'hui. Voilà, 3 tours, on travaille déjà bien, sans deux fois. Voilà, pourtant, vous voyez, athlète de haut niveau qui a l'habitude de faire ça, on vient de faire 3 tours. Et c'est très bien, c'est une routine qui est très importante dans n'importe quel sport. Voilà, lui, c'est les lancers. Moi, par exemple, je suis du demi-fond. Il y en a qui font du foot, du handball. Mais le gainage, les abdos, c'est la base pour tout. Pour monter vos courses, pour ne pas avoir mal au dos, pour porter vos enfants. Pas le dos.
Les packs d'eau, exactement. Voilà, vous pouvez travailler avec du matériel depuis chez vous. En tout cas, voilà, nous, on vient de finir notre séance avec Johan. Je t'applaudis. Merci. Merci. C'est du très très bon boulot. Merci à vous. On s'étire un petit peu. Et bon, on s'étire un peu. On s'étire un petit peu, je te suis sur les étirements. Pas parce que voilà, encore une fois, Johan est là pour adapter et voilà. Du coup, moi en général, du coup, vu qu'on a fait un peu de chaise, donc pour adapter, voilà, exactement. Voilà, donc pour étirer les ischio-jambiers, nous on va venir se mettre droit ici et faire une flexion. Voilà, Johan, oui, il cède bien sûr du mur. Vous voyez, il y a toujours moyen d'adapter. Donc, chez vous, si vous avez des soucis de santé, des handicaps ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de contacter Johan, il sera très très content de vous renseigner par rapport à tout ça. On fait l'autre jambe. Derrière. Parfait. Allez, on va chercher le côté, vas-y, on fait ça. Ça va pas forcément travailler ici, mais c'est toujours bien pour s'étirer. Derrière, je vais lever les bras. Donc là, vous voyez ma main, elle est au milieu des omoplates. Je peux pas, c'est une voilà. Après, quand t'es trop tranquille, tu peux pas. Tu restes ici. Allez, on change de bras. Il va falloir que je fasse un petit peu d'haltéro aussi. Si moi aussi, je veux dire, je peux mettre la main dans le dos. Nickel. Bon, là, on va chercher. Oh, 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 oh. On va inspirer, se grandir. Et souffler, relâcher les bras. Voilà, puis fléchir un tout petit peu les genoux, plus qu'il y ait de tension. Allez, on refait une dernière fois. Allez, on inspire. Et c'est terminé. C'est fait. Voilà, Johan, merci à toi d'avoir répondu présent. C'était très enrichissant pour moi. Voilà, Aéroville, le sport est adapté pour tout le monde, dans l'optique de Terre de Jeux 2024 aussi. Et voilà, on voulait vous montrer aujourd'hui que bah voilà, malgré un handicap, il en sort plus fort et aujourd'hui il est capable de faire des choses que beaucoup de gens voilà, que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez la moindre question ou contacter le club de Yorkwheel. Nous on vous attend, plus on aura licencié, plus on sera content, plus on sera content de vous retrouver sur la piste. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous hydrater, gardez la pêche. Merci Johan. Le sourire et puis bah supportez-vous bien. Supportez-vous bien. Ciao. Bye bye.